Réécris l'expression 5 multiplié par entre parenthèses 9 moins 4 en utilisant la distributivité de la multiplication sur la soustraction, puis simplifie l'expression. Donc on va déjà réécrire cette expression-là. On va écrire 5 multiplié par entre parenthèses 9, on va l'écrire par exemple en vert, moins 4, on va l'écrire par exemple en violet. Je ferme ma parenthèse et on va faire l'exercice. Donc on nous demande d'appliquer la distributivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Appliquer la distributivité, ça veut dire qu'on va distribuer cette multiplication-là sur cette soustraction-là. Donc ça veut dire que cette expression, ça va donner 5 fois 9 moins 5 fois 4. On va l'écrire 5 fois 9, je ferme ma parenthèse, moins 5 multiplié par 4. Donc maintenant, pour calculer cette expression, donc la simplifier, ce qu'il reste à faire, c'est calculer le résultat de ces deux multiplications. La première multiplication, c'est 5 fois 9. Combien ça fait 5 fois 9? 5 fois 9, ça fait 45. Donc on a 45 moins le résultat de 5 fois 4. Combien ça fait 5 fois 4? C'est bien ça fait 20. Donc pour calculer cette expression, il n'y a plus qu'à faire cette soustraction-là. 45 moins 20 qui fait 25. Et ça y est, on a répondu à la question. Mais je te propose d'appliquer une autre méthode pour calculer le résultat de cette expression. Cette deuxième méthode, elle consiste non pas à appliquer la distributivité, mais à évaluer le contenu de la parenthèse. Donc déjà, je vais réécrire l'expression. On a 5 multiplié par 9 moins 4. Donc on va évaluer le contenu de la parenthèse. Donc je peux réécrire 5 fois quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le résultat de 9 moins 4. 9 moins 4, ça fait combien? Ça fait 5. Donc maintenant, cette expression-là, je sais qu'elle vaut 5 fois 5. Et 5 fois 5, ça fait 25. Parce que tu connais très bien tes tables de multiplication. Donc avec cette deuxième méthode, on a bien retrouvé le même résultat que celui qu'on avait obtenu grâce à la propriété de distributivité. À une prochaine vidéo!